Ale babi niti gimi deli makoto. O fare bila kana ko jugu numesa na malama. O dengele mi wili la kata tangi ni jongo koma senye dununya. Dongili e fen jugu timima. Na lete negun te herela. Masigi kamiri dongele shukele malake konere kerata. Mama na zimini sundi bogela makoni ko jugu ilila. Kubama na ngasingi nyegene kenti ngateme ko jugu ilila. Iche siri jona ikibamba. Wari misa sonya bebana. Mamiri ni nasa. Mizi ila kamalake ni barna. Les deux, mais plus les fous. Plus les fous, parce que lui, hey, il est trop bien. La dernière fois, je vois un de ces trucs-là. Les fous, il est trop doux. Non, les fous, les fous. Les fous, sans doute, les fous. Notre génération. Un, Malaké. Deux, Malaké. Malaké. Djaba Sora. Tan Djaba. Ghetto Kafri, parce que j'étais plus fan de Memo All-Star. Ghetto. Un gentleman de point 100. Moi, je love jusqu'à ce que je me blesse. J'étais genre. Moi, mon meilleur son, moi-même. C'est l'intro. Est-ce que c'est pas la musique? Ah, tu... Je préfère le gourmand. Le gourmand, ouais, parce que... La... Quand tu galères, par exemple, moi... Avant d'arriver à ce niveau, avant, bien avant même d'être repéré par Jagler, je galérais. Mmh. Et pendant la galère, en fait, c'est difficile d'obtenir ce qu'on veut. Ou des fois même, ça paraît presque impossible. En fait. Mais par contre, si c'est le Gouma, j'ai tendance à dire, si vous voyez sur mon Twitter, j'ai une fois dit, mon ex vient... Et goumez-moi encore. Je me sers de ce goumet pour faire une très belle chanson. Que d'autres filles vont apprécier. Et vouloir te détrôner en fait. Donc goumet. Ça me crée de l'argent. Donc, je vais remplir ma poche. Ouais, quand je écoute du rap français, j'ai l'impression d'écouter Vizioso. Genre, ça est... C'est pas en classe, mais ça me touche pas, en fait. Moi, ça m'inspire pas. J'aime les gens qui pensent qu'ils ont quelque chose dans la tête. Et les Américains, ils montrent pas. Ils ne font pas que montrer qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose dans la tête. Mais ils prouvent aussi qu'ils ont quelque chose dans la tête. Du coup, j'ai pas encore le même niveau de réflexion que certains d'entre eux. Mais je voudrais que ce soit comme ça. Donc... auprès du rap américain, je peux pas choisir le rap français, en tout cas. Désolé, mais je vous aime aussi. Au Mali, mon featuring de rêve. Hein. T'as bien du featuring des rêves? Non, y a pas. Pour l'instant, y a pas. J'ai pas de featuring des rêves au Mali. Chris Brown, Papa Brazy. Pendant ce temps, mon grand truc qui m'a même marqué, en fait, je crois, c'est quand on a fini la place du cinquantenaire. Je sais pas, mais je crois que c'est... J'aurais été sportif. J'aurais tenté d'être sportif. Donc, ma réussite, je crois que j'allais bosser... à la station service de mon père. Ouais. Ou sinon, je sais pas, vraiment, franchement. Je m'imagine même pas dans autre chose, en fait.
Je suis pas plus habile dans autre chose. Musique. Je veux dire que j'ai commencé à faire de la musique très très jeune que ça. Que maintenant en fait. Au début, c'était pas pour de la musique, mais c'était pour me faire connaître. Ça, c'était quand j'avais quoi? 12 ans, 13 ans, même 8 ans. Au quartier, tout m'était donné pour un ballon fort avec mes potes. Tu vois. On connaît tout gagné, tu vois. Mais la musique était. J'étais trop fan du ministère. Moi, j'ai raté aucune finale en fait des ministères. Du coup, c'est 6 mois qu'on a dû passer avec des lacunes et tout. Déjà, ça fait partie des problèmes qu'on a eu. Créer le succès. Il y avait déjà vu tout le monde qui s'est passé à l'intérieur. Derrière, c'est plus d'actualité et non aidé. Conforté en fait à des problèmes bien plus paysans en fait. Et de nous. Tu pourrais aussi dire chaud. C'était très chaud. C'était très dur. Mais même actuellement, ça n'est rien. On a juste s'adapter et Dieu est en train de faire. Studio. Ouais, studio. Studio. Studio parce que je suis plus la magie en fait pour moi ça opère là-bas en fait les gars tu vois comme je me retrouve au studio je veux même plus en sortir de faire d'abord faut me voir au studio et me voir ailleurs en fait pour pouvoir comparer en fait ton respect vis-à-vis de ma personne au studio en fait je suis un diable en fait. Et pendant que sur scène, je suis obligé de faire de là-bas. Là-bas, c'est juste un truc qui se répète à chaque fois. Mais au studio, je crée là-bas, en fait. Je crée au studio. Je façonne les choses. Je suis un forgeron au studio. Sans le studio, il n'y aura pas de scène, en fait. Donc, studio. Beaucoup regrettent, en fait, d'avoir pensé que Mrodo ou Mbim, réellement, en fait, pour moi, à la quai, tu vois. Tu vois, moi, je suis du genre pas violent, mais je sais l'être. Et on a été chercher plein de fois en tangue le boulot, on sait quoi sur le avec le label. Et c'était chaud. On a dû les regarder nous insulter en fait de tous les noms, sans pour autant qu'un mot dingue les placer. Donc, mais ils ont continué. Et cela depuis 4 ans, 3 ans. Du coup, j'avais considéré d'autres comme des gens en fait qui étaient dans le même diapason que moi, artistiquement parlant, mentalement et physiquement, on va dire. Mais je m'étais gouré en fait, c'était faux. Parce que on m'a jamais rendu genre le bon acte. Tu vois, les gars ils se sont foutus de notre gueule. Les gars nous ont bouffés, niqués par derrière. Les trois artistes que je vais choisir pour faire un album, pour vous, si je vais citer Black Nuns, en première position, Shelly. Après, il y a Wambi Souza. Après, il y a qui? Je crois Lord Machiavelli. Lord. Ouais, Lord. Le concert, ça sera juste un spectacle. Tu vois, ça sera un spectacle. Et déjà, je vous ai expliqué tout à l'heure que je ne voudrais pas d'une petite chose, en fait. Je veux d'un truc qui sera très très présentable en fait partout dans le monde. Je veux un truc original en fait, naturel. Je souhaite juste un méga concert en fait de malade, genre
sur une échelle de 100 fois 100, ça sera du spectacle, Inch'Allah. Da, déjà l'album Da, tout moi. Et je crois Résurrection de Suspect 95. Et quoi? L'album Calibre 27, je crois dans les années, dans à peu près 2018-2019. L'album s'appelait, si je me rappelle, Génération Calibrée. Ouais. Et là, quand on a Vodka, Pérignon, Ibiza, un truc comme ça. Là, j'ai écouté l'album ce jour-là. Quand Armoire bougeait tellement, j'étais... Oh non, je dépose Calibre aussi. Oh. Rien à dire. Ouais, ça, c'est les trois albums qui m'ont vraiment marqué. La différence de l'album Da, d'abord, c'est que Da a été inspiré pendant l'un des moments les plus durs et mémorables, en fait, de ma vie. Dans l'album de Sebe Warachi Mina, ce que je n'ai pas mis vécu dans l'album de Sebe Warachi, je n'avais jamais vécu ça nulle part. Du coup, aux particularités, bah, tout, même à mes yeux, dans l'album Tau, c'est la comparer. Si je dois l'album Tau définir, ni l'album Tau photo ta goût blanc en salon, mais dans les photos ta goût blanc en chambre. Parce que, en fait, en allant sur Malaké à Muri, en allant sur j'étais ouvert d'esprit quand mes précédents Kawarachi. Et moi, j'ai inspiré des choses que moi-même, je me dis que c'est pas possible. Waouh! Et je reviens avec l'expression, je me fascine moi-même, en fait. C'est l'album Da qui m'a encore fait fasciner, qui m'a encore fait me faire, comment dire, fasciner, en fait. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'arrive à Begalama, moi, c'est pas eu de chance avec les filles. Tu vois, malheureusement. Et il y a 6 à une année de cela, bon, je vais dire une année et quelques mois de cela, si tu me posais la même question, j'allais te dire que je vais mourir, en fait. Tu vois, mais maintenant, Mashallah, en fait, j'ai eu la plus belle femme au monde. Tu vois, et oui, je suis en couple aussi. Et c'est quelqu'un de waouh, tu vois. Et chérie, je te dis sincèrement, je vais profiter du plateau. Parce que déjà, il faut savoir qu'elle a voyagé ce soir. Ce soir même, en fait. Elle est retournée voir sa mère aux États-Unis. Du coup, je profite de l'occasion pour te dire que je crois que normalement, là, tu n'es pas encore là-bas. Tu dois être en escale sûrement. Mais depuis où tu es, je veux que tu saches que je t'aime, je t'aime, et t'es belle, intelligente, douce, t'es une pépite, en fait. Tu as vraiment changé ma vie. Je me demande, mais il n'y a rien à voir, ni une année qu'on fait, et me voir aujourd'hui, ni écouter, ni que faire en plus de mon staff, de et tous mes proches, je sais pas, en fait, il y aurait un vide, en fait, dans ma vie, si tu n'étais pas là. Merci pour toutes les motivations, en fait, que tu m'as adressées. Merci à tout l'amour que tu as donné, en fait, pour moi, pour mes proches, pour ma musique. Et comme je l'ai dit, je t'aime, en fait. Du coup, si tu arrives au stade, si ton avion atterrit, bien sûr, tu vas sur New York, tu t'arrêtes au New York Times, tu cries mon nom au bébé, je vais te répondre. Prends soin de toi. Ma relation avec Ibawan, rien. 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 Personnellement,
En fait, je suis pas arrogant, mais je suis trop intelligent. C'est juste une logique, en fait. Quand on nous sort, c'était il y a combien d'années? Et c'est fini. Et moi, c'est malaké, quoi, genre. C'est malaké. Iba, il n'est pas le roi. Iba, c'est un grand frère, oui. Il a été une légende à l'époque, oui. Mais aujourd'hui, c'est pas le Kankoum Noussa du Mali. Non, non, non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas le roi du Mali. Je suis pas d'accord. Je suis désolé. Donc, les tableaux, à trophée tableau, à foufoui tableau, ka kebi, rapou massacre. Ni à mes bébés massacre, il faut donc l'ignorer de nous, en fait. Non, je suis pas d'accord. Du coup, tu vois, genre, c'est free, quoi, genre. Ou là, c'est juste que moi, j'avais pas le temps. Hein. C'est juste que j'avais pas le temps. Et c'est pas comme si c'était la fin du monde. Il va passer au Banaoué, il va faire la diable. Non, mais moi, j'ai aucun lien avec Iba, en fait. Tu sais, les gens ont toujours posé ce genre de questions. Gladia, tantôt malade, tu... Non, 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 je veux pas être accusé pour ça, parce que... Nous, on va attaquer la diable. Jamminin siri che utinin iba che jamminin tal che utinin iba che alala mata gaspi jamminin gaspi che utinin iba che iba je le respecte c'est tout c'est juste ça et tal gaso bana moa ene ga story la tal gaso bana joy ene ga tal gaso film ga bla we ga foko koro wo felicitation nid me show salon e wonna la siri gaso bana moa shima ene ga fenga nega story sans faire aussi les gars souvent ouais ouais aussi les félicitations oh mais on nous c'est comme nous les gars j'en ai tiré les fans d'ori quoi nous on coule nous mais déjà ouais les gars qui iba en fait et moi j'ai pas besoin de publier la photo de la maison du Sidiki pour prouver ou pour exprimer que genre j'ai de l'amour ou de du respect pour lui non ça n'a rien à voir. Beniga Moura, qui est trop relou, j'ai pas besoin de le poster tout le temps. Pour la radon, à Fouroné Babouyon, ou Beniga Moura, j'ai pas besoin de la photo de la blague parce qu'avant de Beniga Moura, non. Moi, je suis pas habitué à ça. Genre, on est quand même marqué, on est même à Nyené, on est à Konoué. Mais alors, il va travailler déjà, ouais, on est en tout cas, ouais, ça, je sais pas. Parce que, sans, t'as, c'est l'Igaf contre ses joueurs, il t'en est à l'album, sur les Beniga concerts affichés, n'est pas formé sur la vidéo, ok. Et il va falloir. Gaspi, à chaque fois qu'on se voit, il a été un grand frère de conseil. Il conseille, en fait. Il me conseille. Il m'a apporté quelque chose dans ma vie. On a eu. Déjà, malgré qu'il y avait un polymara là, mais on a eu. Du coup, il a en quoi, en fait. Et si on sait qu'il y a un conti, il y a un conti, il y a un conti. Il ne m'a jamais rien donné comme force. Hein. C'est pas. Il y a des grands frères qui m'ont tendu la main. Non. Mais c'est pas pratiquement tout le monde sauf lui. Donc moi je le dois rien. Encore c'est un dévancement bien bon sinon quand vous voyez ne m'aimez pas non moi je suis pas jaloux d'Iba. Je suis jaloux mais pas d'Iba. C'est dit qui quand il voulait quand on allait faire on lui a proposé mon featuring il a accepté par mon mentor Talbi. C'est lui qui m'a donné en featuring. Et quand le son a été posé, il fallait clipper le son. Moi, je suis allé à Abidjan pour un mois. Pendant les un mois, c'est lui qui était en tournée. Et les un mois, je crois que j'étais allé avec un budget de 3 504. Ouais, un truc comme ça. 3 504 balles. Non. Tellement c'est lui qui m'a donné un mois à Abidjan. Mon compte, mon compte, il gèle là. Tu vois, j'avais plus de trucs. Un peu rare, genre, voir que tu es un mois. Tournage dans le magasin. Studio, on a tourné studio, mais on a amené le. Donc, nous avons studio, ça a tourné. Nous avons studio, dans le salon, nous avons fait. Nous avons fait un peu de temps. 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 Nous avons fait un peu de Je suis film donc un clip pour tourner au film. Il faut que les gens aient pu se faire un film. Et là encore, vas-y, flare avec ma bro, il faut que les gens aient pu se faire un film. Ils ont pu se faire un film.
communauté dans le Valzy, on a un tas de fla. Deux minutes à la clade à foin à daga, hé, c'est un an, c'est un an de chambre pour l'hôtel Ivoire, la grâce au moment où il y en a un calam. A vous, car ça n'y a pas de séguin, bon, vous pouvez couler qui l'a givé, t'es à ma ni t'es à ma. Ni m'a blâ à tisser au fond, maman, vous vous avez fait. Avec arrêté. Moi, j'ai, c'est qui nous t'a fort et la banque. Et vous avez fait quoi? Car la futurine de Rondine, moi. Fais-moi mon dieu, on a un beau. T'as clair que futurine t'a en charge. Par exemple, il va t'amasser au roman Follandé. Oh, n'était pas sérieux, fait un coup, mais au moins sérieux, toro. Au moins, fan ou toro. Parce que n'était pas, il va faire. Ore wa outro ni beta siri fe ni tetap ma bari le beta meta ni ko rega benyo me bizu gala me bo tout c'est pour juste vous dire que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est pour kayiri la siri ye mi nyane ni ko rega yero talbi rego ni ngo mo ka kuma refo ma chego o tat se ga expliquer rego lui c'est vraiment une pépite en fait à l'état de se gagner faut lui sa femme ses enfants ses sœurs tout le monde. C'est des pépites. Enfin, moi, donc. Salam alaikum, les gladiens. Salut tout le monde, j'ai la famille Malaké for you. Alors, arrête ma bègue à la main. Du coup, c'était Malaké, votre Nangarabani, tu vois, votre mémoire machiavélique. Moi, enfin, moi, point mort, Foukati. Du coup, ça, c'était mon 365 disposition. So, écoutation. Listening et on s'attrape, Inch'Allah, au stade du 26 mars, le 5 août. Ne t'abusons pas, t'inquiète, album d'avis dédicacé.